Yo les gars, c'est Susucre, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur My Hero Academia Ultra Rumble. Tandis que Bakugo a décidé de parler au moment où je fais mon intro, merci à toi mon pote. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo, on va aller invoquer, puisqu'il y a eu une mage, il y a eu des nerfs, il y a eu des ups. Je vais rapidement en parler là en 40-50 secondes. On a Bakugo, Shoto et Deku qui ont été nerfs, notamment parce que c'était les persos les plus joués et les, faut le dire, plus puissants, surtout Bakugo et Shoto. Donc ils ont pris un nerf de dégâts, ils vont faire moins de dégâts, donc ça te prendra plus de temps pour tuer un ennemi maintenant avec Bakugo et Shoto. Ou Deku par rapport à ce qui se faisait tout simplement par exemple juste hier et les autres jours. Donc c'était nécessaire, les persos étaient beaucoup trop forts. En revanche, concernant Bakugo, même Shoto, mais un peu plus Bakugo, je pense que ça va pas changer grand-chose au Schmilblick. Bon, certes, tu mettras plus de temps à tuer les gens, donc ce sera un peu moins broken, on est d'accord. Mais bon, c'est surtout le kit du personnage qui fait aussi qu'il est un peu au-dessus, notamment le fait qu'il puisse dash en l'air, voler, etc. un petit peu. Ça, ça le rend vraiment, vraiment très, très fort. En revanche, il fallait absolument nerf ses dégâts, donc ça, on ne peut qu'apprécier. Il y a eu des petits ups, notamment Dabi. Je disais que le perso était vraiment pas bon. Et la preuve, hein, il a pris un up. Deux autres persos aussi ont pris des petits ups. Donc on verra ce que ça donne en jeu. Je vais peut-être essayer Dabi dans les prochains jours ou dans les prochaines heures. Mais voilà, vous verrez toujours autant de Bakugo, je pense. Peut-être un peu moins qu'avant. Mais le kit du perso fait que, dans tous les cas, vous le verrez encore pendant quelques temps dans chaque partie. Bon, dans les tirages, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une mise à jour des tirages. On a un tirage avec des personnages, Tenya et Kendo. D'ailleurs, je crois que Kendo a été up, si je te dis pas de bêtises. Peut-être même Tenya aussi. Ouais, Tenya, Kendo ont été up. Donc, c'est pas pour rien qu'ils sont dans le portail, d'ailleurs. Ils sont disponibles, donc tu peux éventuellement tenter de les obtenir. Sachant que à l'intérieur, tu as bien évidemment aussi d'autres personnages. Bah, t'as un peu tous les persos en vrai. Bon, pas tous les persos, non, c'est faux. Il y a Momo, Ichiro, Kirishima, bien sûr. Il y a Kendo, il y a Tenya et il y a Ibarra, Shiozaki qui sont disponibles. Et après, ce sont des costumes. Voilà. Donc, à toi de voir. Et il y a un autre portail avec uniquement des costumes. Pour Bakugo, pour Shoto et pour Deku. Voilà, donc ils sont plutôt sympathiques, rien de folichon. T'as aussi la possibilité de récupérer certains personnages, de ce que je peux voir là, il y en a trois, un peu comme sur l'autre portail, et t'as d'autres costumes que tu peux récupérer aussi. Donc à voir, je sais pas sur lequel je vais invoquer, je pense que je vais invoquer sur celui des costumes. Voilà, je vais faire quelques petites multis. Normalement, à la fin du mois d'octobre, on devrait avoir Aizawa qui arrive. Dans un portail où tu vas probablement l'invoquer, peut-être dans le pass, on verra, mais je pense que ce sera plus dans un portail. Et en novembre, on devrait avoir Endeavor aussi qui arrive, donc sûrement fin novembre. En décembre, par contre, j'en ai aucune idée, on verra ce qui nous réserve. Bref, on est parti, on va aller invoquer ici quelques petites multi-invocations. Pas de gameplay sur cette vidéo, je vous prépare ça bien sûr avec Case et Lilian pour demain ou après-demain, on verra bien. Mais là aujourd'hui, ça va être que des invoques, on a parlé un petit peu du patch note. Et on va voir tout simplement si on récupère 2-3 choses intéressantes. Dites-moi si vous avez poule sur ces portails, si vous avez poule ce que vous avez droppé, bien évidemment. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et puis, bah, écoutez, nous on est parti, on va aller invoquer, on va faire quelques petits tirages. On a de quoi faire quand même, on va pas tout claquer. Mais on va en faire quelques-uns. Après, j'avoue que je me tâte à poule quand même sur le portail ici avec Tenya et Kendo. Mais vas-y, on va rester là. On va rester là, puisque je joue souvent Bakugo, je joue souvent Shoto. Bon, Midoriya, je joue pas. Mais moi, je veux bien un petit costume. Parce que j'avoue que celui de Bakugo, là, celui que j'ai, il est pas très beau. Donc pourquoi pas pécho son costume. Allez, on y va, on fait une petite multi. Première multi invocation, bien sûr. Je me souviens toujours pas c'est quoi les animations qui garantissent quoi que ce soit. J'ai pas souvenir. En tout cas, j'aime beaucoup les animations. Bah là, je crois qu'on a eu un truc arc-en-ciel, donc il me semble que ça garantit un truc. En plus, on a eu un boom arc-en-ciel. On va voir. Je crois que ça garantit un truc. Hein. Bah voilà, ça garantit quelque chose. Alors, je sais pas ce que ça va être. Probablement un des costumes, j'imagine. Ou un personnage, je sais pas. On verra bien. Allez, on va voir ce que ça donne. Un petit costume de Shoto ou de Bakugo, ça serait perfecto. Bon, tu vois, c'est celui-là que je l'ai. Bon, hein, on va pas se mentir, il est pas très, 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 très stylé. Donc j'aimerais bien avoir autre chose à foutre à mon Bakugo quand même. Un petit costume d'All Might. Ouais, je l'avais pas. Je joue pas pour l'instant All Might. Mais à l'occasion, on sait jamais. Bon, alors Cimentos, autant te dire que je le joue encore moins que les autres. Costume. Alors, je l'avais pas. Je viens de te dire que je joue pas All Might. Mais écoute,
on prend. Vas-y, on prend un multi, ça drop du 3 étoiles. On va pas non plus se plaindre, et en plus on l'avait pas. Donc dans tous les cas, ça fait... on a des petits costumes alternatifs là, de Toga et Shigaraki. On prend, on prend. Bon, Denki je joue pas pour l'instant, mais de toute façon dans tous les cas c'est des émotes, les émotes je les utilise pas. Je suis pas de mytho. Mais vas-y, vas-y on prend. Prends un multi, ça drop du 3 étoiles. On va pas se plaindre. Allez, deuxième multi, je pense que je vais faire 4 ou 5 multi max. Ou par contre on a un petit message de All Might là, à droite là. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Je sais pas. On a encore de l'arc-en-ciel si je dis pas de bêtises. On a un boom arc-en-ciel, donc on a 3 étoiles garanties, c'est bon, tu vois, je commence à connaître les signes. J'aime bien les animations d'invocation, elles sont stylées, je trouve. Alors par contre, j'ai pas eu de boîte arc-en-ciel, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai un fake out genre? Ça existe? Ou alors je me suis fait carotte? On va voir. Allez. Ça serait bien qu'on ait l'un des deux costumes. Oh! Mais il est archi stylé celui-là en vrai. En plus, je t'ai dit que j'allais jouer Dabi. Probablement dans les prochaines heures, prochains jours. Donc vas-y, ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, on prend. Parce que j'aime pas trop son costume. Je l'ai le costume 3 étoiles là, mais je suis pas giga fan. Je trouve que ça lui fait une tête bizarre. Je pense on dirait Kenny dans South Park. Ouh, il est stylé celui de Kirishima aussi. Il est stylé. Ok, ça drop quoi ici là, un costume? Ah, frère. Comment ça aura débloqué? C'est quoi ça aussi? Je suis pas au courant. Alors, deux multi, on chope deux fois le même 3 étoiles. Bon. Je ne veux pas jouer All Might pour l'instant, les amis. Pour l'instant, je joue pas. De toute façon, j'ai pas le perso. Donc, si tu veux bien me dropper autre chose, ça serait sympathique. Allez, troisième multi-invocation. Je te dis, je pense qu'on va en faire 4 ou 5. Shoto. Petit message de Shoto. Je crois que j'ai jamais eu de multi-invocation avec un message de Shoto. On va voir. Allez. On continue. Je crois voir du arc-en-ciel encore une fois. Oula, ça pue. Aucun arc-en-ciel sur les boîtes. Rien du tout. Ah, ah! Bah si. Bah je comprends rien, frère. Je comprends rien. C'est un espèce de fake out, j'en sais rien. J'y comprends pas. Je comprends pas. Peu importe. En tout cas, on a une boîte arc-en-ciel. Juste évite de me redonner de nouveau le costume d'All Might. Parce que c'est bon, on l'a eu deux fois. Ça suffit. Par contre, ça débloque quoi l'aura? Genre, mon perso, il a une aura en jeu en fait. Ça peut être ça. Ça peut être stylé en vrai. Ça peut être stylé. Mais j'ai vu qu'il y a. Ouh, sympa la tenue de Shigaraki. Vraiment sympa. C'est quoi, il y a des tenues une étoile? Je les trouve plus stylées que des 3 étoiles. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais je trouve qu'il y en a qui sont beaucoup plus sympas. Elle arrive quand notre boîte là? Elle arrive quand? Donc on l'a déjà celle-là. Ouais, ouais, les voix, c'est bien. Ah, ici alors. Allez. Shoto ou... Et c'est Shoto, mais... Vas-y, on prend. Ben non, je prends. Franchement, je prends. Allez. Je l'ai pas. En plus, elle est sympa, la tenue. Vas-y, on prend. On est content. Allez, on se fait une dernière multi ici. Et pour le fun, on s'en fait une sur le portail des personnages juste après. Et après, on stop. Voilà, je pense que ça sera pas mal. Allez. Dernière multi sur le portail. Vas-y, frère. T'as un message de Cimentos. Tu sais déjà que ça sent pas bon, hein. Allez, fais-moi rêver All Might, une dernière fois. Ouais, oh, bof. Tout à l'heure j'ai dit bof, on a une caisse arc-en-ciel qui a drop. On va ignorer, hein. Bah voilà, on a eu un truc de Cimentos, waouh. Incroyable. Après, il y a plein de trucs que j'avais pas, donc plein de tenues que j'avais pas une étoile. Ça complète ta collection, on va pouvoir habiller nos persos. Vas-y, on prend. Allons, c'est une petite multi pour le fun sur Tenya. Mais j'ai ni Tenya ni la meuf, donc j'ai envie de te dire pourquoi pas. Même si leur gameplay, c'est pas trop ce qui me correspondrait. Tenya, il y a des Tenya que j'ai rencontrés en game. Oh nice, on a un boom arc-en-ciel qui sont vraiment incroyables. Super chiant à jouer contre un Tenya. Deux coffres gold et on a eu un truc arc-en-ciel. Donc normalement on devrait avoir un truc intéressant les amis. Normalement je dis bien. Allez, pour la dernière multi de la vidéo, fais-nous plaisir. Comme ça je vais pouvoir flex en jeu, costume. Voilà, un petit costume de Bakugo. En plus c'est le même que celui qu'on a eu avec Shoto. Vas-y, ça me va. Il nous reste un coffre. Peut-être un perso. On va voir. Je sais pas si Tenya est... Et l'autre là, elle se débloque dans le pass aussi de combat. Je crois pas, hein, je semble pas les avoir vus. De tête. Ouais, bon, on les voit. C'est sympa, mais vas-y. On n'est pas venu là pour ça. Elle est où notre dernière boîte God là? Non. Voilà, elle est ici. Allez, qu'est-ce que c'est?
Ah waouh! Une émote. Vas-y, en vrai, ça va. J'ai eu une tenue Shoto, une tenue Bakugo. Bon, All Might, je le joue pas pour l'instant, mais je jouerai bien un jour. Donc, c'est cool. En vrai, c'est cool. Bon, on va s'arrêter là-dessus. On va conserver nos tickets qui restent et nos petits cristaux pour la fin du mois, probablement pour Aizawa ou pour un autre portail qui pourrait être intéressant de mon côté. Oh, mais attends, j'ai pas vu qu'on avait des récompenses là. Oh, c'est une multi en plus, ça. On en prend avec plaisir. Bon, ça, c'est des demandes pour l'agence, j'irai voir après. Ouais, bah vas-y, on prend. Regardez votre boîte aux lettres, vous avez une multi qui est filée. Donc ça, c'est plutôt cool. Bref, les amis, j'espère que cette petite vidéo invocation un peu à l'ancienne vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre le pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment. Et puis, bah, nous, on se retrouve très bientôt pour aller se fighter avec probablement la team, comme d'habitude. Par contre, je vais changer le. Voilà, on va équiper direct le costume. Je vais faire pareil pour Shoto, parce qu'après, je vais zapper 100%. Oh, j'en ai plein du coup de Shoto. Vas-y, lui, il est trop stylé. On peut mettre ça. Ça ira très bien. J'en ai pas mal de Shoto du coup. J'en ai vraiment pas mal. Et Dabi, qui a pris un up. J'ai pas vu exactement qu'est-ce qu'il avait eu comme up. Mais on va le tester. Alors, je prends lequel? Je prends le bleu ou le blanc? Oh, le blanc est cool. Le blanc est cool. Vas-y, on fait comme ça. Bref, sur ce, les amis, je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Le pouce bleu, l'abonnement. Puis on se retrouve demain ou après-demain pour du gameplay et du top 1, je l'espère. Biscuits love peace. Ciao!